Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous amène faire un petit tour à Emmaüs. Emmaüs, c'est quoi? C'est juste un magasin seconde main. Je dis seconde main, mais vous pouvez trouver pas mal de choses neuves, pas mal de choses du Maison du Monde, Atmosfera. Bref, de fin des séries de magasins, vous pouvez en trouver beaucoup de choses. Si c'est la première fois que vous passez par ici, moi c'est Stella, je fais ce genre de vidéos que je vous montrerai tout ce qu'ils ont dans les magasins Emmaüs. C'est juste pour vous donner des idées que vous pouvez trouver pas mal de choses seconde main. Seconde main c'est partout, hein. Même vous n'êtes pas en France, même en Belgique, Emmaüs c'est vraiment qu'en France, mais si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi chercher tout ce qui est seconde main. Je pense que vous pouvez en trouver pas mal de choses, peu importe le nom du seconde main. Même chez les particuliers, vous pouvez aussi en trouver. Moi, j'aime tout ce qui est seconde main. Si ce genre de contenu, ça vous intéresse, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que vous êtes tellement nombreux à regarder ma vidéo. Sans vous, pour autant vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, ça me fera plaisir. Vous êtes tellement nombreux à écrire sur les commentaires qu'ils sont chers. Tout ce qui est seconde main, ils sont pas chers. Quand c'est vraiment cher, la famille, c'est que c'est des affaires neuves, c'est du fin des séries. Peut-être parce qu'ils reçoivent pas mal des choses. Atmosfera, Maison du Monde, vous pouvez en trouver vraiment beaucoup à Emmaüs. À Creil, voilà, comme le fauteuil à 50 euros, je ne pense pas que vous pouvez trouver mieux que ça. Voilà, par rapport au prix, ils sont plus 50%, moins 50%, moins 70%, moins 40%, moins 30%, voire même moins 90%, vous pouvez trouver le fauteuil comme ça à 80 euros. Je ne pense pas que vous pouvez trouver. Regardez sur internet, c'est de la marque Atmosfera. Comme ça, vous pouvez comparer les prix, la famille. C'est de la bonne qualité et en plus, c'est du meuble moderne. Thank you.
Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de faire un tour à Emmaüs ou n'importe quel magasin seconde main, j'allais dire, et si vous avez déjà trouvé, vous avez déniché vos perles rares, et par rapport au prix, c'est abordable, ils sont chers, dites-moi dans les commentaires, et vous êtes nombreux aussi à me poser la question de savoir par rapport à la livraison. La famille, si vous êtes dans l'Oise, aux alentours des Creil, je pense que la livraison c'est moins cher et en dehors de l'Oise, Paris, aux alentours des Creil aussi, ils peuvent livrer. Ça dépendra vraiment du trajet. Les mieux à faire, c'est de les appeler directement, comme ça vous pouvez voir avec eux par rapport à votre trajet, par rapport à ce que vous allez prendre. Si vous avez regardez cette vidéo, peut-être vous avez aimé quelque chose que vous voulez vous faire livrer. Dites-les quand même que vous avez regardé la vidéo et puis si possible, envoyez même la photo. Vous pouvez faire des captures d'écran, envoyez la photo ou vous pouvez aussi m'envoyer la photo. Je vous mettrai aussi mon Instagram. Vous pouvez justement m'écrira sur ma page Instagram, comme ça je vais voir l'article si ils en ont encore dans les magasins. Comme je dis toujours, ça part tellement vite la famille, et des fois je fais la vidéo comme ça, le temps de publier et retourner encore. Vous pouvez voir, il y a certains articles qui partent rapidement la famille. Ils ont aussi pas mal de verres, des assiettes. De verres, c'est à 50 centimes. Les assiettes aussi à 50 centimes. De quoi meubler, de quoi décorer, de quoi organiser vos placards. Voilà la famille. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Ça me fera plaisir de vous compter parmi nous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas la prière. On se dit à la prochaine. Bye bye.